Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre. Est-ce que vous connaissez la figue? Peut-être pas, c'est nouveau dans le paysage guadeloupéen, dans le paysage économique. C'est la Fédération des indépendants de Guadeloupe et on en parle aujourd'hui avec son président. Bonjour Dominique Virasamy. Bonjour Christophe Langlois et bonjour aux téléspectateurs d'Éclair Télévision. Alors fini le SNEG, place aux figues? Non, pas du tout, pas du tout. Le SNEG est une association qui travaille dans un domaine bien précis et la figue est une fédération qui vient de voir le jour. Si tu me donnes deux minutes pour pouvoir expliquer aux téléspectateurs, la FIG, c'est la Fédération des indépendants de Guadeloupe. Oui, ça on a bien compris. C'est une fédération qui regroupe les chefs d'entreprise, enfin les associations et syndicats professionnels dans les domaines suivants. Agriculture, pêche, profession libérale, artisanat et commerce. Nous n'avons dans notre fédération que des présidents d'associations et de syndicats professionnels. Et nous entendons absolument apporter notre pierre à l'édifice dans la construction économique du pays Guadeloupe. Avec justement cet objectif, c'est ça? Il est où l'objectif dans cette histoire? Parce qu'il y en a déjà d'autres, des organismes qui existent. Mais nous respectons... Vous venez marcher sur les plates-bandes des autres? Certainement pas. Certainement pas, parce que je suppose que tu veux parler du MEDEF, de la CPME et de la FTPE. Ce sont des structures avec qui je m'entends parfaitement bien, avec qui je communique, notamment à la NAGAM, avec qui nous discutons très 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 bien. Mais simplement, nous estimons qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont pondus en France ou en Europe et qui ne sont pas adaptés à nous en Guadeloupe. Or, il se trouve que on n'a jamais eu de discussion profonde là-dessus, les chefs d'entreprise n'ont jamais été consultés, qui fait qu'aujourd'hui, le compte n'y est pas et nous voulons absolument débattre des problèmes du pays Guadeloupe parce qu'il y a un pourcentage de chefs d'entreprise qui n'est pas pris en considération. Ce sont ceux qui n'ont pas d'employés et qui représentent quand même entre 58 et 62% des tissus économiques. Et avec ce pourcentage de chefs d'entreprise qui n'ont pas d'employés, il y a quelque chose à faire, notamment pour l'absorption des apprentis, et d'une part. – On a l'impression que vous nous faites une chambre des métiers bis. – D'autre part, mais non, nous avons notre appartenance, nous avons notre objectif. Et d'autre part, nous pourrons aussi apporter notre pierre à l'édifice dans l'inversion de la courbe du chômage, et nous estimons que nous pouvons apporter un plus. Nous ne serons pas, comment dirais-je, un obstacle, ni une enclume aux structures existantes, ni la CCI, ni la chambre de métiers, et encore moins les structures citées tout à l'heure. Simplement, nous voulons absolument être un partenaire, que nous soyons consultés parce que nous avons une expertise qui est différente de certains dossiers et je pense que nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice. Je peux donner un exemple très simple. Nous militons depuis des années, nous les chefs d'entreprise, pour être en ZRR, la zone de revitalisation rurale. Et il se trouve que Mme Girardin, récemment... Annick Girardin, la ministre des Outre-mer. Des Outre-mer, a décidé de supprimer les ZRR pour nous placer en ZFA, nouvelle génération. Oh là là, vous aimez les sigles. Zone de revitalisation, zone de franche d'activité, nouvelle génération. Et donc, du coup, la ZRR qui est spécialement dédiée en plus grande partie au TPE, nous convient parfaitement, tandis que la ZFA nouvelle génération ne prend en considération que les moyennes entreprises, notamment les PME. – Et vous êtes absent du… – Et nous sommes absents du plateau. Donc nous avons envoyé une fin de non-recevoir à la ministre pour lui dire qu'il faut ouvrir les débats. Je ne sais pas si nous avons été entendus, mais… Il se trouve que Mme Girardin, elle-même, a dit récemment qu'elle va ouvrir une consultation sur la fiscalité en Outre-mer. Ça voudrait dire qu'on commence à prendre en considération nos inquiétudes. C'est tant mieux. Il y a qui dans la FIG? Alors, la FIG, il y a, comme je l'ai dit, des présidents d'associations et de structures syndicales professionnelles. Il y a, par exemple, Franck Lasser, qui est ambulancier, et président de EPA, Ensemble pour l'artisanat. – On le connaît bien, Franck Lasser. – Il y a Mme Elfénor, qui est deuxième vice-présidente, qui est à l'OP des artisans fleuristes de la Guadeloupe. Il y a M. Jules Griffard, que vous connaissez très bien, qui est artisan de bout. Il y a Mme Colombo, de vieux habitants. Donc nous n'avons que des présidents de l'association. Et l'avantage qu'il y a à la FIG, c'est que nous avons séparé
les différents domaines. Par exemple, moi, je m'occuperai, comme d'habitude, avec mon association des régimes sociaux. Mmh. Monsieur Lasserre, lui, va s'occuper. Donc chacun son domaine d'activité. L'octroi de mer et le développement. Il y a Madame Elfino qui s'occupe du travail dissimulé. Et puis, il y a Madame Colombo qui s'occupe, par exemple, de la formation. Mmh. Chacun a un département et nous pourrons mieux nous occuper de nos chefs d'entreprise. Mais comment on pèse? Comment aujourd'hui vous pouvez être représenté? D'abord au niveau local, et puis après, votre ambition, elle est d'être au niveau national également, de peser dans les grands dossiers. Alors, déjà, ça a commencé, puisque demain matin, nous serons à Baïgalande. On nous a demandé de venir à la rencontre de l'association de Baïgalande pour faire une première expertise. Mmh. Et dans notre fédération, nous sommes 15 présidents, donc c'est pas rien. Chaque président dans son association a à peu près une centaine d'adhérents, donc ce qui veut dire que nous partons avec un fonds de commerce de 1500 adhérents. Pour commencer. Et donc, derrière ça, nous invitons justement tous les présidents d'associations de nous rejoindre pour pouvoir peser et peser justement dans le grand concert économique de la Guadeloupe et, on espère, dans le concert gouvernemental. Avec quelle priorité des priorités, s'il y en a une à retenir aujourd'hui? Alors, s'il y en a une, c'est, apporter une satisfaction aux chefs d'entreprise, c'est-à-dire soigner l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit avec vous, Christophe Langlois, que 80% des entreprises de l'économie est constituée de TPE, et que 80% de ces 80%, soit à peu près 25 à 27 000 entreprises, sont vérolées par les dettes sociales et fiscales. Et j'étais très content d'entendre vous revenez en tant que président du SNEG. Hein. Non, mais c'est un travail collégial. Ouais. Et j'étais très heureux d'entendre ce matin mon ami Alain Nagam, hein, qui, sur une chaîne, dire qu'il va falloir commencer à prendre en considération la question des dettes sociales et fiscales. Ça fait un moment qu'Alain et moi, nous travaillons dessus. Ça fait un moment que nous n'arrêtons pas de dire que si les élus ne prennent pas en considération la dette sociale et fiscale, il faut que nous ayons un débat là-dessus. Hein, les chefs d'entreprise n'embaucheront pas. Et l'économie ira de Caribe en Scylla. Hein, donc vous êtes en train de nous sortir votre gilet jaune, là, si je comprends bien. Alors, les gilets jaunes, oui, puisque nous n'avons pas attendu, nous, en Guadeloupe, que les gilets jaunes fassent leur apparition. Nous avons toujours été, non pas seulement dans la revendication, mais nous sommes dans la proposition. Et j'espère qu'un jour… Trop de taxes en Guadeloupe. Voilà, trop de taxes, trop de taxes. Trop de RSI. Pas seulement. Il y a le travail dissimulé, il y a l'eau, le chlordécone, les sargasses. Mmh. Et tout ça fait que la Guadeloupe subit une morosité. Et je peux même parler quand même d'un oxymore économique, puisque d'un côté, il y a les plaies qui gangrènent l'économie de la Guadeloupe, et d'un autre côté, il y a le côté festif, avec du champagne qui rentre et tout ce qui s'ensuit. Donc ce qui veut dire que c'est un peu compliqué à trier le bon grain de livret. Ouais. Votre ambition, là, à court terme, avec la FIG, c'est quoi? Alors, notre première démarche sera de faire une première grande réunion où nous allons inviter… Ce sera au début de l'année prochaine. Début de l'année prochaine. On va inviter les présidents d'associations et de syndicats professionnels pour nous présenter à eux. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le conseil départemental, le conseil régional, les structures citées tout à l'heure, la préfecture, tout le monde est au courant de notre naissance. Mmh. Maintenant, quid pour eux de nous rencontrer pour que nous puissions établir une convention de travail, parce que nous ne sommes pas, je l'ai dit, seulement en revendication, nous sommes aussi en construction. – Merci Dominique Virasamy. – Merci Christophe Langlois. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. À très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. –